Salut à tous, c'est Fulcran. Je vous rappelle que je suis modérateur sur les chats officiels de l'application Pinetwork, notamment des chats français. Pourquoi je fais cette précision? Parce que il me semblait très important de faire une piqûre de rappel. Toutes les informations que vous pouvez trouver sur internet sont fausses si elles ne proviennent pas des modérateurs de la Core Team. Donc la Core Team, c'est l'équipe de développement. Si les informations que vous trouvez ne proviennent pas de ces deux sources-là, la Core Team ou les modérateurs, vous ne devez pas croire les informations qui sont dedans. Il y a de plus en plus d'arnaques qui circulent, vous ne devez pas y faire attention, et surtout ne pas les relayer. J'ai reçu encore ce matin 3 messages me demandant si le message qu'ils avaient vu sur WhatsApp avec des horaires sur le KYC, c'est complètement faux. Si ça ne vient pas des modérateurs de la Core Team, vous ne devez pas y accorder de l'importance. C'est faux. Il y a de plus en plus de petits malins qui essayent de vous faire croire n'importe quoi sur la valeur de Pi, sur le KYC, sur... Non, vous ne devez croire en rien. Les modérateurs sont toujours disponibles sur les différents chats de l'application, peu importe les langues, sur certains réseaux sociaux, notamment Facebook, Discord. Attention à bien vérifier les pseudos qui y sont associés. Moi, vous pouvez me retrouver, c'est Fulcrampi sur Facebook. La liste officielle des modérateurs francophones se met ici. Ok, cette liste, vous pouvez la retrouver en temps réel dans l'application Pinetwork, dans la Mods FAQ, en haut du chat français. Et la plupart des autres chats mettent aussi la liste de leurs modérateurs. Si vous ne trouvez pas un nom dans cette liste, c'est que la personne n'est pas modérateur. Beaucoup me disent « Oui, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'applications sur les chats et sur les réseaux sur lesquels vous êtes les modérateurs. Je préfère aller voir ailleurs d'autres informations. Ben, » s'il n'y a pas d'informations, c'est qu'il n'y en a pas. Donc si vous allez en chercher ailleurs, elles seront forcément fausses. J'en profite également pour vous rappeler que toutes les informations que vous avez besoin, toutes les réponses à vos questions sont déjà dans l'application, dans les modes FAQ, en haut des chats. Dans le chat français, vous avez la modes FAQ, vous avez une liste de plein de questions et les réponses détaillées à celle-ci, qu'on vous a fait nous modérateurs. N'hésitez pas à les consulter, 99% de vos questions ont leur réponse dans cette modes FAQ. Alors pour raison familiale, je ne suis plus très actif en ce moment, mais ça ne va pas tarder à revenir. J'ai déjà des vidéos qui sont prêtes, qui vont pas tarder à être publiées. Et les lives, je vais les reprendre très prochainement. Peut-être pas le dimanche, je vais voir, peut-être le jeudi. C'est quelque chose que je me laisse encore la liberté de choisir. Je verrai avec vous dans la communauté comment ça se passe, notamment sur mon Discord. Le Discord est en bas dans la description. Et j'ai de grandes nouvelles à vous annoncer très bientôt. Restez à l'écoute. En attendant, minez bien, pensez à préparer vos documents pour les différents KYC. Si vous avez déjà passé votre KYC, n'hésitez pas à devenir validateur pour aider les personnes de votre pays. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !